Comment avoir toutes les flammes et avoir Spiriton dans Pokémon Légende Arceus. Voici la vidéo complète pour finir cette mission secondaire. Pour commencer, vous devrez finir la première mission principale qui est de calmer le monarque Ashekator. Dès la mission terminée et en allant vous reposer, vous allez avoir une cinématique avec Pitris qui vous confiera une clé de voûte et vous demandera de retrouver toutes les flammes étranges dispersées sur toute la région. Au total, il y a 107 flammes à retrouver. Les flammes que vous récupérez vous permettront d'avoir Spiritomb et de le capturer. De plus, à chaque palier de flammes, retournez voir Pitris, elle vous donnera des objets pour votre aventure. Voici la liste. Je vous conseille de faire les flammes étranges de nuit car elles sont plus visibles et de survoler la map. Je vais vous montrer l'emplacement de toutes les flammes étranges via des screens, donc n'hésite pas à mettre sur pause. Dès que vous avez récupéré toutes les flammes, retournez voir Pitris et parlez-lui. Elle se situe juste ici. Elle vous demandera de vous rendre la nuit aux ruines brumeuses, qui se trouvent au Marais Carmin. Préparez une bonne équipe car Spiritomb est level 60. Dès que vous êtes devant la statue, sauvegardez puis récupérez la dernière flamme étrange. Il faudra ensuite interagir avec la statue et Spiritomb sortira de la pierre. Maintenant, vous avez juste à l'attraper, donc bon courage. En tout cas, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner. Je suis en live tous les jours sur le jeu, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine.